la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina pour Kumasi, organisée par le Conseil national du patronat burkinabé. Cette deuxième édition entend en deux jours se pencher sur le thème relatif à l'intelligence artificielle, enjeux, défis et opportunités pour les pays africains. Ouverte ce matin, le chef du gouvernement a exhorté le patronat à s'investir davantage pour une véritable relance économique en Afrique. Le Burkina Faso et l'Afrique ont connu de grands patrons de l'industrie et du commerce. Aujourd'hui encore, nous saluons les grands patrons de l'industrie et du commerce, dont certains sont ici présents et qui font la fierté du Burkina et de l'Afrique. Vous avez beaucoup fait. Vous avez créé des emplois, des produits et des services. Vous avez contribué à l'amélioration de la qualité de vie, non seulement des Burkinabés, mais aussi des Africains et d'autres peuples. Une autre époque se présente, celle de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Vous, les patrons, vous avez un rôle important à jouer. Et ce sera tant mieux pour vous, car on n'est pas patron tant qu'on n'a pas la maîtrise d'un système ou d'une fonction. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est patron. On est patron parce qu'on a créé, innové, ou parce qu'on a la maîtrise d'un système de création, de production ou de distribution. En tant qu'entrepreneur, nous voyons cela comme une opportunité et l'intelligence artificielle peut nous aider à réussir la transformation agricole. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en deuxième lieu, il faudra des stratégies nationales et régionales de mise en valeur des données, accentuer le coût d'apprentissage des programmes de l'intelligence artificielle dans le contexte africain.